Donc voilà, aujourd'hui nous venons d'apprendre une info flash qui vient d'être dévoilée par la régie. La régie, excusez-moi, j'avais perdu le nom. Par la régie, alors attendez, je confirme. Oui, c'est bien ça. Nous allons aller à New York prendre l'avion pour rencontrer des SDF orphelins ou orphelines. Excusez-moi, monsieur, ce n'est pas un avion, c'est une 4L. Ah oui, notre fameuse 4L. Bah oui. Ah d'accord. On va se retrouver dans quelques instants à New York. À tout à l'heure. Oui, bonjour, nous venons d'arriver à New York et donc je vais vous annoncer le temps. Non, c'est moi d'abord. Qui annonce le temps. Ah, excusez-moi, oui. Skyman, excusez-moi. Alors, déjà, il neige, il y a des avalanches. Ah, une avalanche, au secours, désolé, excusez-moi. Oui, voilà, oui, le temps, il neige. Donc, il neige, beaucoup. Et j'ai envie de dire, tout le monde a ses écharpes, sauf le noir là-bas, je sais pas ce qu'il fait, mais... Bah, lui, il a pas besoin d'écharpe, il a toujours chaud, donc... Oh, voilà. Donc, on va se... On essaie de chercher une SDF orpheline là, ou orphelin. Là, il y en a une. Ah oui, là, là, orphelin, orphelin. Donc, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Donc, excusez-moi madame de vous déranger ainsi, mais on s'en fout un peu. Mais où habitez-vous? Bah, j'habite dans une poubelle. Mais dans une poubelle? Oui. Mais dans une poubelle, mais c'est... Mais vous mangez quoi? Bah, je mange des bisons, des pigeons. Des pigeons? Extraordinaire, des pigeons. Oui, extraordinaire. Mais où est votre père? Mon repère, c'est dans les poubelles d'un restaurant. Un restaurant, d'accord. Donc, vous mangez pas que des pigeons? Bah oui, parce que des fois, je mange des yaourts pourris ou des bananes pourries. D'accord. Donc, madame, on va vous laisser et puis j'ai envie de vous dire... Alors, allez vous laver, camping deuxième à gauche. Merci. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. Donc, nous allons chercher un peu plus loin une orpheline ou orphelin SDF. Et, ah, tu as trouvé Skyman? Oui, elle est là. Ah, nous avons trouvé une mémé orpheline orphelin SDF. Donc, bonjour madame. Bonjour. Oui, donc, oui. Bonjour madame. On a appris que des SDF orphelins mangeaient des pigeons. Oui, vous, voilà. Vous mangez quoi? Oui. Des ours, évidemment. Des ours? Bah dis donc, c'est étonnant comme... Bah oui, c'est étonnant, madame, mais en même temps, avec le froid qu'il fait, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Oui. Et donc, vous les chassez comment, les ours? Avec une agrafeuse. Et les agrafes, vous les achetez? Bah non, je les vole. On va appeler le FBI. Le FBI, j'ai même envie de dire NCIS. Oui, moi aussi. Donc, madame... Et j'ai même envie de dire sur M6. Exactement. Et j'ai même envie de dire, si vous aimez notre vidéo, allez sur notre chaîne. Tac, dans j'ai les dents, gardé, mamie. J'ai pas gardé, pauvre con. Oh, allez, viens, ouais, on se barre. Bon, allez. Donc voilà, on va faire une petite pause et on va se retrouver dans le bureau de la France... En quelques mois, j'ai envie de dire. Oui, parce qu'avec notre Israël, oui. Donc, voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc, bonjour et rebonjour. Là, nous sommes en direct de notre bureau international. Donc, là, on vient d'avoir une info flash, une dernière. Oui, de la régie. Donc, la mamie qui tuait les ours avec ses agrafes a été arrêtée par le FBI et mise en taule. Au moins, elle aura le chauffage. Hein. Et j'ai envie de dire, pour le restant de ses jours, mais cette mamie avait plus de 95 ans, oui. Oui, c'est bien ça. Et 95 ans. Et je pense que ses jours vont bientôt être terminés. Terminés, oui. Oui. Donc voilà, donc je vais vous faire parvenir juste. Vous pouvez rejoindre notre chaîne et vous abonner. As-tu envie de dire quelque chose? Oui, à bientôt. Et ben, j'allais dire pareil. À bientôt et à plus, Skyman. À plus, 16h.